Pour répondre aux désirs de milliers de personnes, dont particulièrement les 5000 qui ont assisté à la fête populaire, il nous fait plaisir de présenter ce soir la reprise de la 500e émission de Soirée canadienne. Chaque semaine, depuis bientôt 13 ans, une paroisse, un village, une ville de notre province est mise en lumière à notre émission Soirée canadienne. Nous n'y avons jamais dérogé, mais ce soir, nous faisons exception à l'occasion de notre 500e émission et c'est toute la province qui est mise en vedette. Pourquoi pas? Nous avons pensé, pour marquer une étape aussi importante de notre série, de grouper quelques-unes des personnes dont les chansons, la musique, les danses ont été particulièrement remarquées au cours de ces 500 émissions. Disons cependant que le choix a été fait touchant les émissions des deux ou trois dernières années, puisque les documents précédents n'étaient pas disponibles. Des quatre coins du Québec, nous vous présentons ce soir quelques-unes des personnes dont les numéros ne peuvent pas être oubliés, puisqu'ils sont gravés sur l'un ou l'autre des deux micro-sillons de Soirée canadienne. Cependant, pour le premier numéro, petite exception, c'est une chanson tout à fait spéciale à l'occasion du 500e programme. Elle a été présentée à une émission que nous avons déjà enregistrée, mais qui passera dans deux semaines seulement. Elle vient de Saint-Augustin-des-Deux-Montagnes. Elle a préparé une chanson tout à fait spéciale à l'occasion du 500e programme. Il me fait plaisir de vous présenter Mademoiselle Pauline Filion de Saint-Augustin. Mademoiselle Filion, s'il vous plaît, c'est parti. Tous les Canadiens ce soir sont en fête. Il y a un événement extraordinaire. 500 émissions furent réalisées. Soirée canadienne, j'ai de la portée. Car depuis 12 ans, chaque semaine, dans la belle province, on nous promet que c'est merveilleux de pouvoir visiter tant de beaux endroits sans se déplacer. Ce sont des richesses extraordinaires que nous ont léguées nos arrière-grands-pères. Nous, dans ce carré, et nous rigotons, par CHLT, nous les revivons. Et que dire des chansons de nos grand-mères qui nous ont charmés, qui ont su nous plaire, de les conserver, ils méritent bien ça. Soirée canadienne fait vraiment tout pour ça. De préserver ainsi nos chères traditions, c'est avec moi que nous vous disons un merci sincère et félicitations. Encore longue vie, nous vous souhaitons. Toute cette équipe, nous rendons hommage pour leur dynamisme vraiment imbattable. Un applaudissement, et ils méritent bien ça. Disons leur bravo, pip, pip, hourra. Disons leur bravo, pip, pip, hourra. Monsieur Bilodeau, comme animateur, est bien sympathique et plein de chaleur. On sera avec lui la semaine prochaine. Tous au rendez-vous pour la 501e. Tous au rendez-vous pour la 501e. Bravo, merci, c'est vraiment merveilleux. Eh bien, écoutez, pour ce qui concerne la danse ce soir des gigs, nous avons tout un groupe qui nous vient de Saint-Robert-Bellarmin dans la Beauce. Vous savez que les Beaucerons, ils viennent au monde avec des souliers ferrés. Alors, pour tout de suite, il nous fait plaisir de vous présenter un groupe de trois danseuses. Ça commence avec Mme Laurent Tardif, c'est enchaîné ensuite par Mme Yvon Lachance, et ensuite, Mademoiselle Brigitte Nadeau de Saint-Robert-Bellarmin, les Gigueurs. En avant la musique! Thank you.
Et c'est pas fini. De Saint-Robert-Bellarmin, nous recevons plusieurs gigueurs ce soir et il nous fait plaisir de souligner particulièrement le numéro qui va suivre. C'est une chorégraphie tout spéciale. C'est très rare qu'on voit de la gigue danser en duo et vraiment en duo. Vous allez voir ça tout de suite avec Mme Régent Côté et M. Sylvain Lachance. Allez-y donc, en avant la musique! Chaque semaine, depuis 12 ans, nous vous avons présenté des images filmées dans les différentes municipalités du Québec. Ce soir, c'est aucune d'entre elles qui est mise en vedette. C'est tout le Québec qui se déploie devant vous grâce à un montage cinématographique signé Eddie Grenier. Le texte est dû à la plume de Rachel Lucier. Voici notre film spécial 500e émission. Et nous en avons marché des pas, nous en avons vu des paysages, à la centaine, jaillis du cœur même de la vie dans nos régions. Nous vous les avons offerts chaque semaine, sans prétention, parce qu'il s'agissait de chez vous, de chez nous. Un pays grand, un pays beau, où les hivers et les printemps font force de loi. Un pays comme les autres, non. Des régions qui se ressemblent, non plus, puisque chacune est faite de la beauté des gens qui l'habitent, puisque chaque sentier, chaque village est né à force d'hommes, à force de courage. Des régions parfois sauvages, parfois très tendres, d'une beauté rude, d'une douceur profonde, comme seul notre pays sait en offrir. Chaque semaine, un coin de pays dont nous vous faisions cadeau. Et au-delà des paysages, une histoire. Une histoire faite de quotidiens et de grands jours. Une histoire toute simple, mais qui raconte la vie. Des villages qui se sont construits, d'autres qui sont disparus. Les saisons qui se sont succédées et qui ont vu se bâtir des édifices, se regrouper des populations, s'élargir des routes, toujours de main d'homme. Une histoire un peu banale, mais importante, somme toute. Puisqu'à travers elle, à travers les noms et les dates, c'est à ces hommes que nous rendions hommage. Des églises, des écoles, des industries, cela n'a aucun intérêt, sinon en fonction de ceux pour qui elles ont été faites. Et en nous les rappelant, nous nous rappelons ceux qui, avant nous, se sont mis à l'ouvrage, ceux qui se sont levés à la barre du jour pour arracher à la terre de quoi survivre, ceux à qui nous devons d'être là aujourd'hui. Des soirées comme eux seuls savaient en faire? Oui. Des danses, des chansons, un folklore qui traduit toute la richesse de ce peuple qui est le nôtre. Encore plus. Mais entre les deux, entre la gigue et le rigodon, de quoi, de qui pouvions-nous parler, sinon de l'espace que nous habitons et dont nous sommes fiers, sinon de l'histoire et des gens qui l'ont bâti. Plus loin que ces paysages que nous vous avons offerts, au-delà des images, au-delà des musiques, c'est de toute la force d'un peuple dont il était question. Hommage à Soirée canadienne et à ceux qui en ont compris le véritable sens. Le
premier quadrille que nous vous offrons ce soir a été composé de personnes de Kinnear's Mills dans le comté de Mégantic. Et pour accompagner cette danse, il me fait plaisir de vous présenter les musiciens Laurent Goulet, Lauréat Goulet et Claude Lachance. Vous êtes prêts, messieurs? Allez-y donc, en avant la musique! Ma belle, embrassez-moi, il dit ma belle.
embrassez-moi. Et qui m'appelle, embrassez-moi. Et qui m'appelle, embrassez-moi. Oh non, monsieur, je n'oserais. Mon cœur est en âge. Tant d'amants se font la cour et moi je m'en passe. Tant d'amants se font la cour et moi je m'en passe. Mademoiselle de Rosier, de quel endroit déjà? Saint-Paul-de-Joliette. Vous chantez très bien, je vous Merci félicite. Beaucoup. Merci beaucoup. Eh bien, je voudrais ici rendre notre sincère gratitude aux maires des villes, villages, municipalités, de paroisses ou de cantons qui ont, par leur présence, donné à cette série une valeur de documents officiels. Les exposés qui nous ont fait chaque semaine, touchant l'histoire de leur patelin, la vie qu'on y mène, les projets qu'on caresse, nous ont permis de mieux connaître notre Québec. Puisque Soirée canadienne est réalisée à Sherbrooke, c'est au premier magistrat de la Reine des cantons de l'Est que revient l'honneur de représenter ce soir tous les maires du Québec. Il me fait donc plaisir de vous présenter son honneur, le maire, M. Marc Bureau. M. Bureau, bonsoir. M. Bureau, je sais très bien que quand on vous présente officiellement, vous aimez, c'est normal, parler de Sherbrooke. Mais ce soir, il n'y en est pas question. Évidemment, on est à Sherbrooke, mais vous êtes ici pour représenter tous les maires de la province. Quel effet que ça vous fait, M. le maire? Ah, voici, c'est un petit peu lourd, évidemment, ouais. 500 mètres sur ouais. les épaules. Vous avez l'air d'avoir de bonnes épaules assez robustes. D'accord. Et puis ensuite de ça, on vous a choisi comme marinier ce soir, c'est encore un autre titre. En plus de ça, ben oui. je deviens très versatile ouais. ce soir. Maintenant, écoutez, monsieur le maire, ce soir, on aimerait un petit peu avoir, un témoignage, étant donné que vous êtes maire de la ville où se réalise depuis 500 semaines l'émission Soirée canadienne à travers tout le Québec. Je me demande si vous n'auriez pas quelques impressions à rendre ou un témoignage quelconque à faire. Ben, je pense qu'il faut souligner là, que pendant ces émissions, 500 municipalités et 500 représentants de ces municipalités ont pu dire ce qui se passait là, chez eux. Et je pense que c'est important. On a découvert un petit peu la vie de notre Québec là, par ces émissions. Et de plus, je pense qu'il y aurait lieu de rendre ce soir témoignage à Télé7, un moyen de communication cherbrouquois là, qui a réussi à faire connaître à la province chacune des villes de la province là, qui sont passées ici. Alors, je pense qu'il y aurait lieu de rendre hommage à Télé7 ce soir. Monsieur le maire, on vous remercie de nous apporter ce témoignage très important. On l'apprécie infiniment et on vous remercie d'avoir rehaussé de votre présence cette soirée spéciale de la 500e émission de Soirée canadienne. Alors, ça m'a Merci fait beaucoup, plaisir. Monsieur le maire. Nous allons maintenant vous offrir un numéro un petit peu spécial. C'est un monsieur de Mont-Carmel, du comté de Champlain, qui l'a préparé pour nous. Il s'appelle monsieur Dominique Parenteau. C'est une espèce de monologue avec partie turlutée. C'est quelque chose de vraiment québécois. Je vous le présente tout de suite, monsieur Dominique Parenteau. Bonsoir, monsieur Parenteau. Bonsoir, monsieur Parenteau. Ça va bien? Très bien, merci. Ben oui. Pour faire votre numéro, ça vous prend quelque chose de spécial, vous, hein? Une chaise. Une chaise, on doit avoir ça quelque part. Ah, justement, voici une. Voici votre chaise, monsieur Parenteau. Et tout le monde est suspendu à vos lèvres. Allez-y, je vous en prie. Moi, quand je suis venu au monde, c'était dans le bois. J'avais jamais vu de monde à part que mon père et ma mère. Un bon coup, était un moment, tu vas voir du pays. La mère a dit, tu fous, t'es bien trop petit, tu vas t'écarter. C'est pas ça, me dit, veillard, puis dit, je vais voir du pays. Quand elle a vu que je partais, elle me fait un petit sac de galettes et puis elle me donne ça. Elle me voulait partir avec ça, marche. J'arrive à une fourche de chemin, il y avait un petit vieux. Il y avait un violon. Hey, mais j'ai dit, son père, y a-tu bien loin? C'est pas la première maison. Moi, mon petit garçon, il dit, quand je suis venu ici, il dit, là, va pas personne. Il dit, il a pris le chemin, puis il a été ouvert. Il dit, fais comme moi. Moi, il dit, je suis pressé, il dit, joue mon air. Ouais, mais il dit, son père, il dit, pourrais-tu aller coucher chez vous à soir? Oui, ben, il dit, tu pourras venir, mais il dit, moi, il dit, je suis pressé, il dit, joue mon air. Tout me voulait partir avec le vieux, en arrivant chez eux, des maisons, j'avais jamais vu ça. Là, quand je commence à examiner, il y avait un grand trou dans le plafond, un grand trou dans la couverture. Mais dit, hey, son père, quand tu nais, il y en a qui mouille, ça doit tomber ici dedans. Ça, il dit, mon petit garçon, il dit, quand tu fais vilain, il dit, c'est pas rentable.
Puis il dit, quand il fait beau dehors, il fait beau aussi dedans. Moi, je suis pressé, je vous montre. Ouais, mais il dit, vous avez un poil, là. Il dit, comment ça vous faites qu'on fait ça? Ça, mon petit garçon, il dit, on rentre le bois à longueur, et puis le feu, il coupe, puis il dit, on le rentre encore. C'est bien moins d'ouvrage, on n'a pas à peine de le scier. Moi, il dit, je suis pressé, il dit, je joue mon air. Ouais, mais il dit, il avait un grand chien, là. Il dit, mais, il ne donnait pas manger à ça, il dit, chien. Ça, mon petit garçon, il dit, chien, on ne donne pas manger à ça, il dit. C'est plus vigoureux, dit, ça fait la chasse, ça grimpe les montagnes, puis moi, il dit, je suis pressé, je joue mon air. Mais ils avaient une belle grand-fille, là, mais ils disaient, mais celle-là, puis ils disaient, ils ont le ventre, puis elle a le ventre tout crotté. Moi, dit, mon petit polisson, il doit. C'est pas la peau. Maintenant, il nous fait plaisir de vous présenter une dame d'Aston Junction dans le comté de Nicolette. Elle va vous faire une chanson qui manque certes pas d'entrée, c'est Mme Gérard Réaume. Mme Réaume, vous êtes prête? Allez-y, donne-nous votre chanson. Vers les genoux, il y a un étang, j'ai vu le loup, le renard passer. Vers les genoux, il y a un étang, j'ai vu le loup, le renard passer. Le petit roi s'en va chassant, libéré, libéré, j'ai tapé leur hôpital, libéré, libéré, j'ai tapé leur hôpital, puis je vire de bord, puis je tape encore. J'ai vu le loup, le renard, le lièvre. Madame Réaume, eh bien, nous allons vous prouver que dans la Beauce, la gigue, ça va de génération en génération, de père en fils ou de fille en fils. Vous allez voir ça tout de suite, puisqu'on a ici la grand-mère, le fils et la petite-fille qui vont vous offrir la gigue. C'est Madame Emmanuelle Lachance qui commence, la grand-mère. Allez-y donc, Madame Lachance, s'il vous plaît, en avant la musique. Rossignol, Rossignol, va lui dire que je m'ennuie. Rossignol, il prit son vol au château de l'amour sans plus.
viellette, les doubles, doubles, doubles. La viellette, les doubles. Sainte Marie Salomé, on vous remercie. Elles ont envoyé une représentante extraordinaire. Merci. Merci beaucoup. Eh bien, hommage, ce soir, nous voulons rendre aux curés et vicaires de nos paroisses qui ont compris la valeur authentique de ces émissions pour raviver l'esprit paroissial dans la fraternité et la coopération et qui ont participé à nos soirées pour leur donner une dignité dont nous avons raison d'être fiers. Ce soir, nous sommes particulièrement fiers parce que nous avons parmi nous, et nous en sommes très honorés, la présence de Son Excellence l'archevêque de Sherbrooke, Mgr Jean-Marie Fortier. Je répète que nous sommes très honorés de votre présence, Monseigneur. Et ce soir, évidemment, vous vivez soirée canadienne dans le feu de l'action, si vous voulez, et vous le faites avec tellement de simplicité. Vous êtes vraiment dans le jeu ce soir, Monseigneur, et je vous en remercie. Ah, bien, écoutez, ça me fait grandement plaisir. D'ailleurs, je suis périodiquement l'émission Soirée oui. canadienne. Alors, j'étais très flatté lorsque j'ai été choisi par le passé par vous pour représenter les 500 pasteurs de la province oui. de Québec. Qui se sont présentés ici chaque semaine. Alors, et qui, comme nous le disions, qui ont compris la valeur de Soirée canadienne, je parle oui. bien. C'est une lourde responsabilité. Oui, non, mais je ne suis pas inquiet pour vous. Mais ce qui me frappe, moi, c'est que vous avez groupé, au cours de 10 ou 11 ans à peu près, 500 paroisses, 500 communautés. Et pour un pasteur, ce sont des communautés chrétiennes, bien sûr. Mais avant d'être des communautés de foi, ce sont des communautés d'hommes et de femmes qui savent rire, qui savent chanter, puis qui savent danser. Avant de faire des chrétiens, il faut d'abord rencontrer des hommes et des femmes des hommes qui et des femmes. Puissent vivre. Qui palpitent. Qui palpitent, exactement. C'est ça. Et je tiens à... Je me joins à M. le maire pour féliciter Télé7 d'avoir eu cette continuité de la soirée canadienne qui nous réunit ce soir. Et on sent très bien qu'à travers ces chansons, puis ces danses, qu'il y a une communauté qui s'est établie ce soir entre des hommes et des femmes qui ne s'étaient pas jamais vus, qui ne s'étaient jamais connus. Alors, je crois que c'est un très beau témoignage de fraternité humaine que nous portons ce soir. Et je vous en félicite et je vous en remercie. Merci, Monseigneur. On doit merci. S'arrêter là-dessus. Merci D'accord. d'être venu. Ça a Très été bien. Un honneur à nous faire. Merci. Ça fait plaisir. Eh bien, je voudrais ici souligner que les jeunes, on sait que Soirée canadienne est un attrait particulier pour les gens d'un certain âge, mais on constate que de plus en plus les jeunes s'y intéressent. Et ce soir, nous allons avoir le plaisir d'entendre une jeune fille, Mademoiselle Odette Sylvain, et qui, elle, va nous donner un petit peu le symbole de tout ça, puisqu'elle va faire sa chanson, qui est une chanson folklorique, avec un petit pas de la nouvelle vague. Vous allez voir comme elle s'en tire bien, Mademoiselle Odette Sylvain. Mademoiselle Sylvain. Mon père m'a donné un mari. Trois minutes et demie.
l'aimais tant, mon mari. Je l'aimais tant, tata, je l'aimais tant, mon mari. Merci, Mme Saint-Séverin de Beauce, une autre beauceronne. Et on vous ramène des beaucerons, ceux qui ont dansé tantôt, le couple très charmant, qui vont maintenant venir ensemble danser, mais vont s'exprimer de façon individuelle. C'est Mme Régent Côté, et j'en profite pour présenter celui qui accompagne les danseurs de Saint-Robert-Bellarmine. C'est justement M. Régent Côté. Alors, M. Côté est prêt avec son violon. Les danseurs et la danse... le danseur et la danseuse, Mme Régent Côté et M. Sylvain Lachance vous offrent leur numéro. Allez-y donc, en avant la musique! Je l'amène chez moi, je l'amène se chauffer. La dame de tour, la dame de tour, la dame de tour, la dame de tour. La lame de doule, 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 la lame de doule. C'était M. Philippe Potier de Saint-Gérard de Laurentides. Donc, félicitations. Merci pour votre chanson, M. Potier. Je vais vous suivre de ce côté-là. Je m'en vais du côté du grand salon ici. Vous avez un petit moment toujours court de notre émission. Un moment qu'on attend avec impatience parce qu'il est toujours savoureux et parfois même émouvant. C'est l'entretien que nous avons chaque semaine avec nos doyens pour représenter tous ces doyens ce soir. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous un personnage extrêmement attachant, un homme qui a connu une vie publique intense sur la scène politique de la province et qui a su se gagner l'estime et le respect de tous. Ex-député de Sherbrooke, ex-ministre des Terres et Forêts, ex-ministre des Finances. Faut-il le présenter? Vous l'avez certainement reconnu, c'est l'honorable et ce soir, je dirais même le vénérable John A. S. Burke. Monsieur Burke, bonsoir, Monsieur Burke. Et il est accompagné, évidemment, de Mme Burke, que nous saluons, sincèrement. Eh bien, M. Burke, permettez-moi de vous remercier d'être venu à notre soirée ce soir. Je voudrais vous poser juste une petite question, là. Vous avez, évidemment, comme je le disais tantôt, connu une vie intense sur la scène politique. Vous avez connu la vie publique avec beaucoup d'activité, de dynamisme. Qu'est-ce que ça peut représenter pour vous aujourd'hui d'être un petit peu à l'arrière, de vous être assis tranquillement, puis de regarder faire les autres? Bon, j'ai apprécié, d'abord, je dois vous dire que j'ai apprécié énormément votre invitation d'assister ce soir à la 500e de soirée canadienne. Soirée canadienne. Parce que vous avez donné l'exemple à plusieurs d'autres autres postes pour faire la même chose, pour vous imiter. Parce que je dois vous dire que vous avez fait d'abord connaître Sherbrooke, vous avez fait connaître, enfin, les cantons de l'Est en général, et puis que si le même esprit aujourd'hui existait,
Avec les soirées canadiennes, là, je suppose que la province de Québec serait beaucoup mieux qu'elle est aujourd'hui. Oui, alors, si on avait cet esprit-là tout le temps. Tout le temps. Ça irait mieux, vous pensez? Oui, monsieur. Oui. Maintenant, écoutez, ce soir, vous représentez, comme je le disais, là, tous les doyens. Dites-moi donc, votre ange, est-ce que je peux me permettre de vous le demander? Bon, je ne suis pas comme une femme, moi, je peux le dire. Oui, oui. 78. 78 ans. Vous les portez très bien, monsieur Beau. Maintenant, comme je le disais, vous représentez tous les autres. Qu'est-ce que ça signifie pour les gens de votre âge, là, de votre génération? Que cette émission Soirée canadienne. Je suis certain que tous les gens de mon âge, de ma génération, comme vous dites, là, apprécient énormément ce que vous faites le samedi soir pour rendre la vie agréable. C'est ça. J'espère que ça va continuer encore longtemps. Monsieur le ministre, je ne peux plus dire ça, mais monsieur l'ex-ministre, honorable et vénérable monsieur Bourque, merci d'être venu, on l'apprécie infiniment. Madame Bourque, merci beaucoup. Trop gentil. Merci. Bien. Nous avons avec nous ce soir de Shawinigan, Madame Jacqueline Pelletier. Je pense qu'on s'en rappellera longtemps de la chanson qu'elle a faite à Soirée canadienne, qu'on a mise sur disque et qu'elle va nous offrir encore ce soir cette très jolie valse. Voulez-vous nous en faire encore, Madame Pelletier, s'il vous plaît? Moi, quand je vais veiller, j'ai toujours le cœur gai. Moi, quand je vais veiller, j'ai toujours le cœur gai. Je dis de bien belles choses à tous les invités. Je dis de bien belles choses à tous les invités. Malgré que la voix chante, nous vieillissons ensemble, mais le cœur ne vieillit pas. Nous vieillissons ensemble, mais le cœur ne vieillit pas. Voulez-vous dans la vie goûter le vrai bonheur? Voulez-vous dans de Shawinigan. Et maintenant, nous allons retourner dans la Beauce. On a eu de la Beauce des gigs, on a eu des chansons et maintenant, on aura un monologue. C'est M. Gédéon Thibodeau. C'est vous, M. Thibodeau? Ben, ouais. Vous donc, s'il vous plaît, pour faire votre monologue. On est anxieux de l'entendre. Allez-y, c'est à vous, M. Thibodeau. Lettre d'amour de Petit Noir. J'étais justement en train de fionner une lettre d'amour à Pamela. Puis ça me gêne, c'est effrayant. Mais savez-vous que c'est gênant aussi d'écrire aux créatures? Surtout quand c'est un beau pétard comme Pamela. Viande, c'est donc de belle jeunesse. Oh, c'est vrai qu'elle a rien qu'un œil et une jambe de bois. Mais son père en terre en bois de bout, ça, c'est quelque chose. À part de ça, mais il lui reste encore une vache et un cochon. Toutes les ânesses du village tournent alentour pour l'avoir en mariage. Moi, c'est pour ça que ça me gêne d'y écrire. Bien, essayons. Chère Pamela. Ah non, c'est trop gênant. Je vais lui dire plutôt. « Chère mamzelle. » Ouais, c'est mieux comme ça. « Chère mamzelle. »
Quoique je sois pas mal chausson, j'ai une passable éducation, virgule. Je me ferai capable de me mettre la main à la plume pour vous faire savoir toutes les nouvelles de mon cœur, au qui se débat, bien plus fort qu'il s'est abattu la fois qu'on s'est rencontré sur la traque du Red Roll. Point et virgule. Le petit jeune homme content, ça serait moi. Oh, si je pouvais vous trouver le cœur sur la même touche qu'il était la dernière fois qu'on s'est rencontré chez Isidore en Narcisse. Un point. Depuis que je vous connais, et que sans quelque chose qui me gargouille, je sais pas, mon collègue craque, puis mes bretelles pètent, puis vient tout d'un seul. C'est comme si j'étais pour timber. Je suis pas capable de vous dire comme il faut, mademoiselle, mais ça, je pense bien que c'est de l'amour. Un point. Non, deux points. Deux points, ça vaut mieux qu'un. Oh, si de bon Dieu voulait, mademoiselle. C'est ça que nous ferait deux petits jeunes gens qui s'accorderaient bien. Apostrophe. J'ai un bon métier, particulier de boucan depuis ici d'Union. Ben, je gagne pas des grosses gages, mais ça me coûte pas cher d'entretien. Je suis pas bien, bien habillé, mais j'ai pas frais. Très d'Union. Depuis que je reste en ville, vous savez, c'est pas croyable parce que j'ai l'air d'un petit monsieur. Ben oui. Je me suis grillé d'une canne, là, que j'ai confectionnée avec le parapluie de ma soeur, puis vous assure que vous n'aurez pas honte de sortir avec moi le dimanche. Deux points avec un apostrophe. J'ai appris de bien bonnes manières, vous savez. Il y a longtemps que je m'émouche plus avec mes doigts quand je suis devant le monde. Je m'émouche avec les manches de mon capot. Intrément. Oh, si, Célicis, tout est pour vous, mes amours. Tentez donc de m'envoyer quelque chose de vous pour me mettre sur le cœur. S'il y avait moyen d'une couette de vos cheveux, ou bien encore un lacet de vos bottines, point d'exclamation fionné. Rien de bien rare à part de ça. J'ai juste une lettre de mon frère, Riel Toun, il m'a dit qu'il est en prison. S'il ne me récrit pas, je pense bien qu'il sera pendu. Papa va t'en sac, mais qu'il apprenne ça. Allô, mademoiselle, vous m'excuserez bien si je ne veux pas signer mon vrai nom, parce que c'est toujours gênant d'écrire le nom de petit noir bien votre main. Mais une réponse au plus vite. Votre petit noir pour la vie. Un point puis un pion pour lui montrer que c'est fini. Bien, maintenant, c'est tous ces titres-là. Il n'apprend pas. On pourra trop dire cette culture-là, cœur bien dur. Excusez-moi. Oh oui, il ne faut pas se tromper. On est à Sainte-Cécile, là, avec Mme Nau. Merci beaucoup. Vous avez remarqué que ces dames portaient le joli corsage. Il y avait des bouquets floraux ici et là. Tout ça est dû à Rita Fleuriste. Eh bien, nous, pour marquer la 500e émission de Soirée canadienne, nous avons présenté ce soir quelques-uns des meilleurs numéros de nos émissions des dernières années. Nos remerciements à ces participants de choix. Nos remerciements et notre gratitude aux personnalités qui ont rehaussé de leur présence cette émission. Je veux rendre hommage ici à tous ceux qui ont œuvré pour réaliser les 500 émissions de Soirée canadienne. Ça comprend les réalisateurs qui se sont succédés à la barre de direction, tous les techniciens, les caméramens, les cinéastes, éclairagistes, décorateurs, les spécialistes préposés au son ou aux images, enfin tous ceux qui ont travaillé dans l'ombre. Merci spécial à Simon Blanchette, notre pianiste, qui lui aussi travaille dans l'ombre, mais qui nous fait un petit décor musical fort intéressant. Merci à la direction de Télé 7
pour la confiance qu'elle nous a accordée. Et enfin, merci à vous, téléspectateurs, qui nous avez toujours donné la plus haute cote d'écoute. À tantôt donc pour la fête populaire que nous allons présenter dans une heure à peu près au Palais des Sports de Sherbrooke. Et la semaine prochaine, nous présenterons une autre émission spéciale, soit un compte-rendu de cette fête populaire, et nous présenterons en même temps les gagnants de chacune des catégories. C'était donc notre 500e émission, un hommage aux 20 000 personnes qui ont fait de Soirée canadienne le plus beau document folklorique. À la prochaine, à la 501e de Soirée canadienne. Bonsoir tout le monde, en avant la musique!